بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكونتينو شابيتلو Bouka pleuré de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 323, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté. Haddathana Mahmoud ibn Ghaylan, haddathana Muawiyah ibn Hisham, haddathana Sufyan, c'est Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, un parmi les grands mujtahidin, parmi les tabi'in, les atba'i tabi'in. An al-A'mash, an Ibrahim, Ibrahim, quand on mentionne juste Ibrahim comme ça, ça veut dire Ibrahim al-Nakhai. C'est un parmi les professeurs de Sayyidina Imam Abu Hanifa. Vous savez, ce professeur Hamad ibn Abi Sulaiman qui lit ce professeur Ibrahim al-Nakhai, un parmi les tabi'in. Alors, Ibrahim al-Nakhai rapporte à Abida, ou Ubaida, à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc là, on lit qu'Abdullah ibn Mas'ud et un autre djimoun qui appelle Abida. Donc, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un parmi les grands mujtahidin, parmi les plus grands. Parmi les Sahaba, radiyallahu anhum, en même temps, qui tient le Coran, qui tient parmi les spécialistes dans le Coran. Alors, les rapportés, les dire, Qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dit à moi, ça veut dire Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, Iqra alayya. Lis le Coran, vous pouvez entendre, vous pouvez écouter. Alors, les autres riwayats montrent-nous qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam tilo minbar jali liya Quran mo pou écouter fa qultu lala Abdullah ibn Mas'ud jamu fin jali ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil eski moi mo pou liya Quran devant ou alors ki Quran la fin révèle ou c'est une parole d'humilité en même temps peut-être ta'ajjub in étonné ki révélation fin fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc at tabligh transmettre ça à Bandimoun, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui vient faire. Alors moi, je me sens dit, bah, divan Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui manière moi, je suis capable de lire ou qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam écoutez. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il répond, il dit, inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. Je suis content, écoute-le depuis un autre Dimoun autre que moi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu es content. Bien sûr, il y a le Coran, mais tu es content aussi, écoute les autres démons, il y a le Coran. Alors, ils tiennent à l'habitude, par exemple, écoute Jibril alayhi wa sallam, il y a le Coran. Hein? Ça veut dire, Jibril alayhi wa sallam, il y a un moyen pour révélation. Donc, Jibril alayhi wa sallam, régulièrement, tu peux venir, tu peux lire. Une récitation, tu peux faire Jibril alayhi wa sallam avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les tu peux écouter. En même temps, les tu es content, écoute, les yeux, les sahaba nous trouvent, il y a beaucoup de narrations montrent-nous qui différents sahaba, les finales écoutent. Et là, je te connais, je te peux lire, l'écouter, ou soit, et là, je te peux lire, je ne pas connais, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut écouter. Alors, ben, l'ulama explique-nous qui, il y a beaucoup de raisons derrière, qui fait, les contents écoutent les autres djimoun. Alors, quand un djimoun les lit lui-même, les concentrer, lire la lecture là lui-même, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les content méditer l'eau là. Alors, ça pas veut dire que quand les vous concentrez l'eau lecture, il pas vous méditer, li sur une capacité li extraordinaire mais li montrez nous. En même temps, li montrez nous qui les sunnat pour écoute Coran. Et quand un djimoun il écoute Coran, il gagne sawab pareil comme un djimoun qui peut lire là, ça veut dire quand nous connaît quand nous lisons, nous gagne sawab 10 sawab pour un harf pour un lettre qui nous lit. Nous lit alif lam mim, nous gagne 10 fois 3 30. Alors, ça dit monde qui peut écouter avec l'attention, avec adab, lui aussi pareil, il gagne sa quantité sawab. Ça, donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre-nous sunnat. Alors, il montre-nous aussi qu'un dit monde, quand il lit enseignant et il peut enseigner les autres dit monde, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de bénéficier avec les autres dit monde, avec ce qui il peut enseigner. Comme nous, ban salaf, par exemple, je t'ai bénéficié avec ban dit monde qui t'y apprendre avec autres. Là, nous ne pouvons pas dire que Rasoul sallam pour l'apprendre avec qui que ce soit. Bénéficier dans quelle façon, c'est qu'il est content, écoute les autres. Donc, quand les autres lient, ça met-les dans un état qu'il est content. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors,
Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit « Faqara'tu surat an-nisa » Mon fin commence lire surat an-nisa. « Hatta balagtu » Jusqu'à qui m'en arrive, quote « Waji'na bika ala haulai shahida » Alors, ayat-là, il commence comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haulai shahida » Et qui manière, quand nous pouvons chaque Ummat nous promène un shahid pour eux. Chaque ummat pour un shahid. Un shahid, qu'était ça? C'est un qui vient témoigner, qui vient dire bout de témoin pour ou soit contre. Chaque ummat, ce prophète pour venir dire bout de témoin pour lui. Pour lui ou soit contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, dépendant de ce qui sa ummat là fin faire, il fin suivre sa prophète là, ou soit il fin désobéir à lui, alors sa prophète là pour venir. Par exemple, si nous prenons l'exemple. Un exemple qui passe par nous la tête, Nuh alayhi salam, 950 bananes, les fins faire da'awa, les fins invite Jimoun Verdine, et 950 bananes là, 50 Jimoun les fins gagnent. Même ce garçon, c'est qu'il y appelle ce garçon, pas fin suivre lui, donc fin noyer. Alors, qui quantité bouffon, ben Jimoun, tu peux faire avec lui, qui quantité, je te peux dire, alors tout ça là, lui pour témoigner, le so ummat, en même temps, lui pour témoigner, pour ça, ben Jimoun, qui fin suivre lui là. Comme ça encore, Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina Moussa alayhi salam. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa salam, lui aussi pareil. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Waji'na bika ala haulai shahida » Et nous pouvons faire toi venir au Rasoul sallallahu alayhi wa salam. L'osaban là comme un shahid, comme un témoin. Alors, ban ulama dit nous qui, l'osaban là, il est capable de dire le ban prophète alayhi wa salam. Ban prophète pour venir témoin pour les ban ummat. Alors, li Rasoul sallallahu alayhi wa salam pour venir témoin pour les pour venir montrer votre grandeur, pour venir, comment dire, témoin dans votre faveur. Et aussi, Haoula, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son ummat nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour venir témoin pour nous. Alors, il y a les autres riwayat mentionnés, qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, qui manière, vous capable de témoin pour ce monde-là, mais qui manière, vous pouvez témoin pour ban qui, je ne pas là, c'était là. Ça veut dire, nous, qui pouvons venir après. Alors, nous trouver qui, nous avons action, nous avons beaucoup de les autres riwayats mentionnés, qui nous avons action présentée devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam régulièrement, dans l'intervalle là, et dans différents intervalles. Comment nous finissons apprendre je vous vendredi, ainsi de suite. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour venir pour témoigner yawm al-qiyamah. Et en même temps, il pour gagner l'occasion de faire shafa'at, nous disons à Allah qui lui donne nous shafa'at de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce moment-là, قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جيء فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان وسو تهملان إن على رواية مانسونية تذريفان إمتروف سو لهم بيكولي لبي سو ديليجي ça veut dire رسول صلى الله عليه وسلم peut pleurer quand il peut écouter sa ayat là alors il est possible qu'il peut pleurer depuis avant ou soit sa ayat là qui finit faire lui pleurer. Et dans les autres riwayats encore, comme on a mentionné dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Abdullah ibn Mas'ud, c'est à ce moment-là, « Hasbuk al-an » assez astère. Donc ça, il finit rentre dans un hal, un moment tellement intense qu'il dit « assez astère ». Possiblement, il peut, bien sûr, il peut méditer l'eau là. Alors là, ben ulama explique-nous l'état de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il peut penser ça, il peut trouver « Yawm al-Qiyama » devant lui. Comment dire, présente Yawm al-Qiyamah, Ahwal Yawm al-Qiyamah devant lui. Nous finissons à prendre qui quantité difficile ça joue là pour être. Non pas parce que Jahannam là. Oui, Jahannam si, ça c'est une autre perspective encore, qui Allah préserve nous. Mais avant Gainzizman Jannat Jahannam, Yawm al-Qiyamah, dans Al-Hashr, dans sa grande place que pour réunir là, sa réunion la même, sa attente la même pour rendre compte, ça même est extrêmement difficile, comme on nous connaît, soleil. Pour descendre tellement bas, ben la cervelle pour bouillir, ben Jimoun pour noyer dans cette transpiration, dépendant le combien PC je t'ai de faire. Un jour qui est extrêmement difficile. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, il gagne istihdar. Sa mandar là, sa scénario là, paraît devant lui. Il trouve ça, de là, il gagne beaucoup tracas pour ça, ummat. Et il connaît qui, comment ça a été là, pédia, ça joue là, il pouvait être shahid, il pouvait être témoin. Le so ummat, ou ça pour ça ummat. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pa connaît l'icône, ce qui nous pas connaît l'iéna, get comme ban ulama mentionne l'istihdar, sa scénario là paraît devant lui. Alors, comme a dit, il peut vivre ça un petit peu là.
Et il connaît son ummat dans quelle difficulté pour être beaucoup bandimon dans son ummat qui connaît ses difficultés pour être. Donc ça fait lui la peine, possiblement, bien sûr, une des bonnes raisons qui fait lui venir pleurer. Et connaissant qu'il lui-même lui pouvait witness, pouvait témoin de son ummat. Alors, par rahmat qu'il y en a, par shafqat qu'il y en a pour son ummat, alors ça fait lui pleurer encore et il y a beaucoup dans les autres raisons encore. Donc, les ulamas, nous, qui quand bandimon lui écoute, Coran, bon, ça c'est sunnat. Écoute Coran, ça fait l'effet. Donc l'homme coulé, quand Jimon écoute Coran, ou soit il lit Coran, soit l'homme coulé, ça c'est signe de ban arifin, ban Jimon qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous mentionnons la sourate Maryam, Allah mentionne beaucoup ban prophète, alayhi salam. Après, il mentionne une caractéristique, il dit, Ida tutla alayhim, ayatul rahmani, quand al-Rahman, ce ban ayat peut réciter, les autres, kharru sujadan wa bukiya, je tombe dans sijda et je pleure. Donc contrairement à ban les autres qui comme on nous fait tendre dans namaz dans sura al-inshiqaq fama lahum la yu'minun wa idha quri'a alayhim al-quran la yasjudun, car ils ont pas iman quand lire quran devant eux, je pas faire sijda. Et là nous faire sijda, nous qui na iman qui quand nous lire sabut là nous faire sijda tilawat. Nous faisons sijda tilawat aussi quand nous lisons, comme on le mentionnait dans Surah Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Iza tutla alayhim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya » Quand ayat al-Rahman, ce ban ayat, ce ban verset, peut réciter les autres, alors je tombe dans sijda, je pleure, alors nous ici, ça l'est là, nous faisons sijda tilawat. Donc voilà quelques ban qualités, ban caractéristiques ici, un mu'min les développe ça, alors c'est un pas qu'il fait, bien sûr, dans la direction sunnat, vers chemin de ban arifin, ban jibun qui connaît Allah, qui proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une qualité de cœur, qui quand nous lisons le Coran, ou soit quand nous tannons le Coran, ça a l'effet de nous, qui lui donne nous la connaissance, pour qu'il nous comprend le Coran, à un certain niveau bien sûr, mais nous comprend, ça fait l'effet de nous, nous bénéficier avec lui, intellectuellement, spirituellement, dans nous la vie, dans nous en pratique, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'équerre, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le dit dans Surah Al-Anfal. Quand pétan ayat Quran, quand ayat Quran peut réciter, wajilat qulubuhum. Quand il y a zikrullah, je te l'équerre tremblé, wa idha tuliyat alayhim ayatuna zadathum imana, wa ala rabbihim yatawakkaloun. Et quand ayat Quran peut réciter les autres, les iman augmenté, fruit de les iman augmenté, et je te fais confiance, je te fais tawakkul aux autres rabbes. Donc, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous sa qualité, lesquelles-là, et donne-nous une qualité lisier qui nous l'a coulé, le khashyatillah, par khashya, par raja, par khawf, par l'amour pour Allah, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ben quelque chose qui est important. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, donne-moi quelque chose qui est important, l'attention qui bizin que comme Allah Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut donne l'attention à yawm al-qiyama, quand on peut mentionner yawm al-qiyama comment nous déjà qu'on ban détail là, et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous shafa'at de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand nous get nous situation nous connaît qui quand c'est difficile les poètes yawm al-qiyamah, alors qui nous pas parer pour ça. Donc qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous de tout ce man là de ban difficulté yawm al-qiyamah, lui donne nous shafa'at de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.